Et salut à toutes les gars, c'est Roulian. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour la suite de ma Care Manager avec l'AS Saint-Etienne pour l'épisode numéro. Il me semble que c'est 18. Un truc du genre. Voilà, je suis pas sûr, mais bon, au pire, on s'en fout. Donc, dans cet épisode, les gars, on va jouer 3 matchs. Comme d'habitude, donc un match face au FC Lorient. Sissi la Bretagne, 5-6, mon gars. Face à Monaco, qui est un concurrent direct. Hein, ils sont juste derrière nous, ils sont un truc du genre. Et ensuite, face à Dijon, les gars. Ah, dans le prochain épisode, les gars, il y aura la finale de la Coupe de la Ligue. Donc ça va être plutôt pas mal. Et voilà, ouais, sinon on se rapproche vraiment rapidement, les gars. On est vraiment dans le sprint final. Donc, le sprint final commence maintenant. Et il nous reste 8 matchs de championnat. On peut finir. Il y a encore moyen qu'on finisse sur le podium, bien évidemment. Ah ouais, non, 2 matchs en moins, ouais. En vrai, on peut finir deuxième. En première place, hein, c'est foutu. On peut finir deuxième comme on peut finir sixième quoi. Ouais, c'est assez serré, hein, c'est assez serré. Ouais, bon, on finira au ouais, septième. Septième au plus, mais on finira pas en dessous. Ouais, non, c'est vrai qu'on a 2 matchs. Non, il nous reste 10 matchs, donc je suis con. Il nous reste 10 matchs, donc on jouera 10 jours dans cet épisode. Et Lorient qui est 15e, ok. Donc, ça va, ça va. Donc Monaco, ouais, ils sont 5e. Ils sont à égalité de points que nous, sauf qu'on a 2 matchs d'avance. Donc, on est parti pour le match face au Lorientais, les gars. Je suis breton, j'habite près de Lorient. Donc on va dire, espérons que ça me porte chance. Ça va absolument rien dire. Ah oui, attendez. On a combien de temps pour se reposer, pour savoir si je mets l'équipe type ou pas. On sent qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer. Après, c'est Monaco. Et on a combien de jours de repos? 1, 2. On a 3 jours. Ouais, on a 3. On va mettre l'équipe B. On va mettre l'équipe B. Hop, donc déjà mérite, je pense pas que je vais le mettre. Alors, Ruffier, Poloma, Lacroix, et est-ce que je mets Perrin? Bah, j'ai pas trop chaud, j'ai pas trop chaud parce qu'il y a eu blessure. On va mettre Théophile Catherine. Au milieu de terrain, on va mettre Veretout et Cévé. Donc, au milieu de terrain remplaçant, on est quand même plutôt pas mal. Hein. À droite, bah, j'ai pas trop chaud, gros. J'ai pas trop le choix avec les blessures. Et devant. Bah devant j'ai pas trop le choix non plus. Devant j'ai pas trop le choix. Sais pas trop quoi faire. Ouais putain, vivement qu'ils reviennent, c'est con. En vrai, offensivement, c'est. J'ai que 3 attaquants. Ouais, c'est chaud. Et au pire, je viens d'avoir une idée de génie. Ça va vous surprendre, mais je viens d'avoir une idée de génie. Parce que là, c'est la galère. On est d'accord, hein, pour faire une équipe, c'est la galère. Alors pourquoi pas faire revenir Mopé de prêt. Hop. Et voilà. On vient de faire appeler Mopé, les gars. Bah ouais, j'ai jamais pensé à ça. Parce que c'est vrai que c'est vraiment la galère à chaque fois pour faire une équipe. Donc là, ça va nous faire du bien. Putain, pourquoi j'ai pas eu une idée dit plus tôt? Bon, c'est pas grave, donc on va refaire l'équipe. Donc Poloma. le mec, il a pris l'avion aux deux spi pour venir. Donc Théophile Catherine, au milieu de terrain, CV, Veretout, Mané, avec Mopé Augustin. Mais qui est encore 10 secondes, il était à Brest et là il est titulaire hein, pour ce match. C'est n'importe quoi. Bah à droite, on va laisser Nigga, on n'a pas trop le choix de ce côté-là. Donc on va partir comme ça, les gars. On va, par contre, on va enlever la pluie. Je sais bien qu'on joue contre un club breton et la pluie comme par hasard, mais bon, faut pas déconner. On va mettre le soleil. Voilà, Saint-Etienne fait toujours beau les gars. Donc on est parti pour les meilleurs sur ce match face à Lorient. Let's go, Mopé, je compte sur toi pour ton premier match. Pousse ta balle, pousse ta balle, bien joué. T'es rapide, Mané. Fusée, mon gars, de fou, les 97 d'accélération, on les sent bien. On les sent bien. Voilà comment je contente tout. Je contente tout. Avec le Mopé. Mopé. Le centre, bien joué. Allez. Non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, Augustin? Non, l'arrêt est magnifique. Enfin, il est beau, mais sur la deuxième, il doit la mettre là. Il passe à côté. Mopé, il a fait faire une passe D là. Ah, je la crois. Non, t'as faut que je mette le brassard à Perrin. Allez, Manu, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Bon, il y a faute, mais il y a avantage avec Ni Mopé. Ni Mopé. Ni Mopé. Et l'ouverture du score, les gars. Ni Mopé. Ah, c'est la première fois que je vois Mopé. Il a changé par rapport au 16 avec sa tête. C'est magnifique. Il vient d'arriver.
Oh là là là, le coaching gagnant. Ah, heureusement, bon ça va, heureusement. Ah mais non, ça s'est passé. Ça aurait été à Lorient, j'aurais pu dire, mais j'ai pété après, ça fait le voyage vite fait. Et là, magnifique travail de Mané, je sais pas si ça compte comme une passe D. Et la finition magnifique de Mbappé qui vient d'arriver. Absolument pas là. Mbappé, je me rappelle, sur 16, pour ceux qui s'en rappellent, il avait manqué de fou, il avait carrément en général. Hein. En deux saisons, il avait une finition de fou. Bon bah là, la finition, malgré qu'il est 111, 112 au général, je sais plus, 111. Bah il est toujours là, la bonne finition. Donc ça fait plaisir, les gars. 1-0. Et non, Mané s'est blessé. Oh oui, t'es passé. Oh, l'autre côté, de l'autre côté avec Ninga. Oh, Ninga. Oh, Ninga. Oh, Ninga. Penalty. Oui, il y a penalty. Bien joué, Ninga. C'est magnifique. 2-0. J'allais dire 2-0. Non, c'est calmé quand même. Magnifique dribble. Et c'est le Goff. C'est le Goff qui fait la faute. Il y a penalty, rien à dire. Alors, je sais pas qui faire tirer. Est-ce que je fais tirer Augustin ou Ninga? Non, on va faire tirer Ninga. Même c'est pas bon signe, c'est lui qui a provoqué penalty. Normalement, c'est pas grave. Voilà. C'est Ninga qui va essayer de le transformer. Il s'élance. Oui, 2-0. C'est magnifique. Geoffroy Guichard est en train d'exploser, les gars. 2-0. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. Et non, c'est bon, il siffle la mi-temps. 2-0, les gars. Ça se passe super bien. Rien à dire, franchement. Mbappé qui marque. Ils ont fait aucune frappe, Lorient. Voilà, bon, 3 tirs de but. On est réaliste, mais dans le jeu, ça se passe très bien. Et je sens qu'il y a moyen de foutre une branlée à Lorient là. Je sens qu'il y a moyen, les gars. Donc on va essayer de se faire plaisir. La différence de but, c'est, faut pas oublier que c'est important aussi. Hein. Je vais même pas regarder comment on est en différence de but, mais bon, bref. Donc on est parti pour la première deuxième mi-temps. On va essayer de marquer 3e but, ce qui tuerait le match, parce que déjà on est vraiment pas de quoi abrir un retour. On va vérifier, on essaie de jouer vite. On va jouer Augustin avec Ninga. Avec contre. On va jouer avec Mbappé. Mbappé avec Augustin. Augustin. Augustin la frappe, c'est contré, dommage. Oh, but! Oh, c'est magnifique. Et Augustin, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas marqué. En deuxième mi-temps, on était vraiment pas très très bon. Lorient qui essayait de revenir sans être dangereux, mais essayait, voilà, ils avaient vraiment la possession. Et voilà, finalement, Mbappé qui leur fait un peu une passe D. Voilà, sans contrôle, il sort une lucarne du mauvais pied. Bien joué, Augustin. Elle était vraiment difficile à mettre. Mais il arrive à la mettre, les gars, ça fait 3-0. C'est son 10e but. Et sa 6e passe D, il me semble, toute compétition confondue, Augustin. Donc c'est parfait, les gars. Et voilà, c'est fini, les gars. Victoire 3-0. On a fait le taf à domicile. On a été réaliste. Franchement, on n'a pas eu énormément d'occasion. Ouais, 4 tirs cadrés, 3 buts. Et voilà, mais Lorient n'a pas du tout été dangereux. Lorient, très faible équipe de Lorient, malgré qu'on a fait tourner, même si on avait une équipe intéressante sur papier. Hein, on n'avait pas non plus. Karamoko et Pinero avec quand même de bons joueurs. Là on est présent sur Mbappé expiré, ok, d'un match de rien mané. Donc c'est parfait au championnat, les gars, on est toujours 4ème, on a toujours un match en moins. Donc si on gagne 7, on revient à 3 points de la deuxième place, c'est-à-dire de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ouais, mais c'est Monaco. Le problème c'est Monaco, donc ça n'a pas été évident. Et Montpellier, franchement, ils sont impressionnants. Vous trouvez une information, vas-y. Il a son de général. Mais il est pété en fait. T'as mis c'est une superstar, il a un potentiel entre 67 et 83. Alors, 83 au max, c'est pas non plus top. Hein. Bah bon. On verra ça après. Peut-être qu'il augmentera encore, mais je sais pas si. Bref. Donc Monaco, on a 3 points d'avance sur eux avec un match en moins. Donc là, on peut leur mettre 6 points d'avance, ça peut être pas mal du tout. Ça me ferait plutôt plaisir. Mais bon, c'est à l'extérieur, ça va pas être évident, mais là on va avoir l'équipe type. Et l'équipe type, ça fait la différence. Bon, on va jouer en vert parce qu'autrement on va se tromper avec leur maillot. Pourquoi leur brassard il est dégueulasse comme ça? Enfin bref. Je sais pas qui mettre devant, donc Bazour il est bien augmenté. Dabo, Lozano, Mbégué, Pogba, Perrin, Malcuit, Ruffier, et bon, on laisse comme ça. Ah, Augustin qui a augmenté, c'est cool. Et ok, j'ai reçu un message, on s'en bat les couilles. Mbappé, on va le mettre sur le banc quand même. Et voilà, donc nickel. Donc je sais même pas si à un moment il arrivera avant la fin de saison. Bon, bref, on est parti, les gars, pour les meilleurs sons de ce match. J'espère une victoire, en tout cas pas perdre, parce que ça reste un concurrent direct. Let's go. Tant que Perrin il va marquer. Ça faisait quelques temps qu'il n'est pas. Il n'a pas. Enfin, ça va, mais je sens que là, ça va être vraiment son match, Perrin. J'espère que j'ai raison.
Ah, je l'ai pas moi, wesh. Un passe de Miguel. Nous allons aussi, on se rappelle de ton match de merde. Oh là là. Oh, ça va trop vite. Ruffier. Oh, le bâtard, magnifique. Ok, bah là, j'ai pas le temps de... Ah, mais là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, là. La défense, là, parce que là, une passe, il... C'est peut-être pas qu'il a pas suivi, je sais pas. J'essaie de sortir vite, mais Germain... C'est super bien joué, ils sont très imbus en Ligue 1. Et voilà, on est déjà mené au bouton en 3 minutes de jeu. Ça commence mal, les gars, ça commence mal. Ça va être compliqué. Va falloir sortir les doigts du cul si on veut revenir, parce que c'est pas comme ça qu'on va... Putain, les gars, sérieux. Ça va être compliqué, je sens. Jouer, non, contre favorable. Eh, hey, mais la défense, les gars. Faute, montage. Je vais jouer. Non, je vais jouer. Faut éviter de perdre, les gars. Un point serait un bon point parce que vu comment ça commence. Et ça combine très bien Falcao Germain, c'est ouf. C'est ouf, il combine super bien. Non, c'est bon, Falcao. Mais là, ouais, il va falloir rentrer dans le match, les gars. Juste un Peric. Ah oui, c'est pour Lozano. C'est pour Lozano. Et là, tu rentres côté intérieur. Le jouer avec Peric. Non, c'est contré. Oh oui. Encore. Putain. Je sais pas si j'arrive à passer à arriver à Peric. Je pense. Le gars attaque ta balle. J'aime mieux une attaque. Oh putain, j'ai mal défendu. Oh, Silva. Oh, Silva face à Ruffy. C'est Ruffy. Bien joué, Steph. C'est chaud. T'es plus rapide, Y'a beaucoup à jouer, les gars. Oh là là, Lozano. Oh, la vitesse, un truc de fou. Yes, légalisation. Et c'est Robert Peric. Mais quelle accélération de Lozano. C'était impressionnant. Il a tracé un truc de fou. Ah, le contre, je vous dis, ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est plutôt pas mal. Et la passe, Peric. J'avais dit, je l'ai dit en début de match, c'est le Peric. Il va aller faire un gros match. Bah, ça commence bien, égalisation. Ils sont 13 buts, il répond à Germain qui est également un 13 buts en championnat. Donc c'est parfait, les gars. Bien joué, Lozano. Accélération magnifique, franchement. Donc 1-1, maintenant tout est à refaire. C'est avec Dabo. On enchaîne une grosse frappe de Dabo. Oh, dommage. On s'est trouvé. Ok, c'était pas du tout là, mais c'est bien joué. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Oh, il s'est craqué. Et c'est genre Kevin Augustin. Il a marqué tout à l'heure et pas là il marque. Oh là 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 là, Monaco qui est en train de craquer, sérieusement, c'est quoi ça? Je vais faire une petite passe pour Peric, c'est pas du tout pour lui. Oh là là, c'est Gli qui est super chaud en vrai. Il a des très grandes stats sur FIFA, il s'est carrément craqué. C'est Augustin, mais qui s'est pas couvé. Magnifique finition. Pierre Gli sur FIFA 2 bis 1. Ça fait super plaisir. Ça m'en a beaucoup chez eux, ce serait vraiment une super action. Attention, sur la réaction. Oh, Ruffy, magnifique, c'est pas fini. C'est pas fini encore. Tu l'as. Oh là là, on s'en sort très bien. Oh, il est passé. Oh, c'est chaud. Oh, Ruffy, il est énorme. Ça nous a joué. Oh, j'ai cru que j'avais un peu. Non, il s'est blessé, c'est pas possible, mais non. Il siffle la mi-temps, mais il s'est blessé. Ah oui, vous avez vu comme moi, le petit truc blessure. Putain, c'est pas possible. J'ai déjà deux ailiers blessés, ça va en faire peut-être trois. Non, je rigole, mais... Ouais, je sais pas. Pour l'instant, il a l'air de tenir. Il n'y a pas la flèche. La flèche rouge, comme quoi il peut plus tenir. Non, je vais voir les stats. 3 frappes à 5, c'est un match équilibré. On s'en sort très bien. 3 tirs de but, on va pas se cacher. Mais voilà, Monaco qui a fait une des erreurs défensives. On en profite grâce au duo Peric-Augustin. Ça fait plaisir. Bon, mais il a pas l'air d'être blessé, tant mieux. Donc, on va essayer de bien défendre nos demi-temps, être costaud derrière. Et ouais, si c'est bien blessé, on verra la fin du match si c'est grave ou pas. Silva aussi. Hein. Silva, il Mbegi, le pauvre, il prend cher. Ok, bon. Ouais. J'ai rien dit, finalement, t'es une merde, Silva. Et Pogba. Mbegi. Mitterrand est vraiment très très bon aussi. Oh là là, a bien joué. Mazouer. Touche au Peric, récupération.
va passer au Robert Berić. On va faire passer au Robert Berić. Augustin. Et Augustin, c'est facile. C'est facile, on est efficace, les gars. Bien joué. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Berić qui s'est battu comme d'hab, voilà, la récupération. Et là, c'est tout ce que je voulais faire. L'appel, le placement exceptionnel. Enfin, exceptionnel, je m'enflamme un peu, mais le super placement d'Augustin qui s'arrête, qui va en retrait et qui finit tranquillement le doublé. Berić, une passe D, Monaco qui font trop d'erreurs défensives. Là, ça fait cash, ils ont fait deux erreurs. Deux buts. Bon, ouais, c'est bien mis en retrait et après, il finit droit. Ça fait 3 buts 1, c'est son premier but en championnat. C'est son 10ème but en championnat. Et on sort bien. Non, j'ai pas le droit. Ruffier, putain, yes. Heureusement qu'on a un super gardien parce que même moi je veux bien faire des erreurs bêtes. Bon les gars, donc désolé déjà pour le son parce qu'il y a des grisements de merde, je sais, mais j'ai la flemme d'aller chercher mon micro, etc. J'ai supprimé un bout de l'enregistrement, enfin de la vidéo. Donc j'ai la flemme de refaire le montage, donc désolé. Et donc là vous avez rien loupé, il n'y a aucun but, on va directement passer au match face à Dijon. Et au match face à Dijon, vous allez rater un but. Bon, je vous dis pas qui maintenant, mais vous allez voir de toute façon avec la vidéo. Je l'ai supprimé, je sais pas comment, enfin j'ai pas fait attention. Donc voilà, désolé et bon visionnage. Ah bon, c'est Dijon, la pire équipe à domicile, nous on est la meilleure équipe à l'extérieur. Vraiment, les signes sont au rendez-vous pour moi. Attention, Johnny qui m'a fait l'amour. Et Lafond, magnifique arrêt. Bien joué, Lafond. C'est pas bien joué, très beau travail. Oh, tac pas derrière, wesh. Bah ouais, carton jaune, là. Rouge. Yes, les gars. Ah, c'est vrai que c'est pas derrière, mais bon, il y a quand même pas de danger. C'est un peu sévère, quand même. Mais moi, je prends, là, je prends. C'est défenseur central, il me semble, en plus. Ouais, quoique il est violent, il est quand même violent. Donc, carte rouge, tant mieux pour moi, les gars. Tant mieux pour moi. Là, non, moi, si je gagne pas, c'est vraiment. Je suis nul. Oh, dommage. Non. Pose-toi quand même. Oh là là, j'ai mal défendu. J'aurais pu avancer. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Oh là 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 là, c'était chaud. J'ai voulu remettre de la tête. Sauf que ça me rappelle un peu le but contre Sofon que j'avais marqué comme ça. Et Lafond qui se. Oh oui, oui. Attends, il y a une embrouille dans la surface. Eh mais oui, attends, Tavares, il a mis CNS. Qu'est-ce qu'il faut tous par terre, wesh? Mais wesh, relève-toi pour le moins. Cette victime là, il fait tomber là. N'importe quoi. Jouer CNS, il est partout. Il est partout. Et le contre. Avec Mané. Avec Mopé. Avec Cévé. Et Cévé c'est dedans. Et ça fait 2-0. Voilà, bien joué. Il a mis du temps à arriver. Mais il est arrivé à la dernière seconde, les gars. Très 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 belle action collective. Et la passe de mon père a joué. Ah, c'est vrai qu'il aura fait une passe de aussi. Là, je sais plus c'est qui a fait passe pour faire le but. Bien joué. Tranquillement, CV, c'est son combien de but? 4ème but en Ligue 1, ouais. Bon. Il a mis aussi d'autres buts en coupe, etc. Donc, le match est plié, ça fait plaisir. On va jouer ultra off. On sait jamais si on fait une petite récupération pour un petit 3ème but. Non, il n'y aura pas. Deux dernières occasions, les gars, c'est terminé. Victoire 2-0. On aura mis 8 buts en 3 matchs, c'est quand même exceptionnel. 2 tirs cadrés de 8, on a été pas mal réaliste. Homme du match, Sofiane Catherine. Non. Je vais voir la note à CNS. 8,6. Non, ouais, CV, ouais, CV, il a été pas mal, ça. Mais pour moi, l'homme du match, c'est CNS. Il a été exceptionnel. Bien joué à CNS. Donc, on avance, les gars. Donc, là, on va faire une très très bonne opération. Franchement, ça fait plaisir. 3 matchs, 3 victoires dans cet épisode. On pouvait guère rêver mieux. Donc c'est parfait. En plus on rentre dans le sprint final clairement. On va vite aller voir le calendrier aussi pour voir les matchs qui nous restent à jouer. Ah, les entraînements, j'ai oublié. Hop, voilà. On simule. Espérant que Lafond, etc. On a de bonnes notes. Ça va, ça reste correct. Ouais, il est pas loin d'augmenter à 83 Lafond. Oui, il passera à 83, hein. Peut-être même à 84 avec un peu de chance. Donc au classement, on est 3ème les gars. Il nous reste 7 matchs de championnat, on a 3 points de retard sur l'Olympique Lyonnais. Lyon dans le derby, ils ont battu, je crois, à 2 reprises cette année. Mais j'avais dit que le plus important, c'était de finir devant eux au classement. On peut encore le faire, c'est ça l'objectif pour moi. Et d'être 3ème, la 3ème place, c'est vraiment un objectif, mais là, on a 5 points d'avance. Donc, on commence à avoir un petit écart. Et derrière, ouais, normalement, on ne devrait pas finir en dessous de la 4ème place, parce que Marseille, bah, ils ont un peu de retard, 8 points d'avance. Voilà, vu comment on joue en ce moment,
On devrait pas perdre trop de points normalement. Donc, on va voir les matchs dans le prochain épisode. Donc, Nantes à domicile, Marseille, et la Marseille, ça va être chaud. Voilà, Marseille, bah, c'est vrai que c'est un concurrent direct. Enfin, ils sont derrière. Donc, là, normalement, si on gagne Marseille, c'est bon, c'est fini pour eux. Et la finale face au PSG, ah ouais, on sera obligé de mettre l'équipe B contre Marseille, ça va être compliqué. Parce que PSG, on est obligé de mettre l'équipe type. Ah, quoique, si, on a pas mal de jours de repos, donc on va peut-être mettre. Ouais, on verra. On verra ensuite, il y aura le Havre, ça sera l'épisode d'après. Donc c'est la demi-finale. Ensuite, Guingamp. Ensuite, Rennes. Ensuite, il y aura un troisième épisode avec Bordeaux, Paris et Nancy. Donc il nous restera peut-être trois épisodes, voire quatre. Oui, parce que si on bat le Havre et on est qualifié en finale, il nous restera un match en plus. Donc soit je ferai un autre épisode d'un match ou je ferai un épisode de 4 épisodes. Un épisode de 4 matchs plutôt. Donc on verra ça. Donc on va faire un petit rapport d'équipe les gars. Voilà, fin de cette vidéo comme d'habitude. Donc voilà, rien à signaler. Donc, il aura joué 14 matchs hein, pour un gagnant remplaçant. C'est quand même correct. Ok, Maisonial. Ah, il commence à jouer Maisonial. Hein. Avec Bastia, tant mieux. Une 83 matchs. Bah, je suis 34 matchs sur lui là. Il a dépanné partout. Oui. Perrin, super Perrin, il est monstrueux. Franchement, je le kiffe. Ouais, Perrin, c'est le meilleur. Keramoko, franchement, moi j'aime bien. J'aime bien. Il fait de bons matchs. La Croix qui aura enfin augmenté un petit plus 1. Le Marchand qui va dans 7 semaines. Ouais, saison terminée quoi. Poloma plus 2. Senes qui aura fait un très gros match hein, dans le match face à Dijon. À moi qui aurait dans 3 semaines. Il serait temps. Dabo, très 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 bon. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je 32 matchs, pas mal. Bazouar, très très bon. Franchement, ma pépite au milieu de terrain. Qui est titulaire indiscutable maintenant au milieu de terrain. Veretout, CV. Qui sont CV, Veretout sont passés dans l'équipe B. Mané plus 4, 10 passes D. Ouais, il a fait sa petite passe D. 4 buts, 10 passes D. C'est magnifique. Avec son 97 accélération. Wesh. A tes souhaits, merci. Tan qui revient dans 6 semaines. Ouais, bah, c'est dommage, il était bon. Moi qui s'est blessé. 40 matchs, c'est tout simplement dingue. Il a joué tous les matchs avec Montpellier, c'est pas possible. Voilà, 17 buts, 7 passes D. Saison exceptionnelle pour Ninga. C'est dommage qu'il a joué sur le côté droit. S'il n'y aurait pas eu de blessure, il aurait joué en pointe, il aurait marqué plus de buts. Avec Augustin, 12 buts, 6 passes D. Très très grosse saison aussi avec Augustin qui a été remplaçant. Mais en plus, il a joué 28 matchs. Hein. Vraiment un très très beau ratio. Berich, 21 buts, 5 passes D, c'est mon meilleur buteur. Il a mis 4, 5, 6, 8 buts dans les autres compétitions hors championnat. Donc vraiment pas mal. Et Mopé, bah voilà, qui a fait un but, 2 passes D en 2 matchs. Depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Donc c'est ce que j'attends de lui. Hein, voilà, il dépanne. 4 accélérations, vraiment pas mal. Il a combien de finitions? Ouais, 74. Non, c'est pas si exceptionnel que ça. L'instant, on s'en fout. Et Lozano. 7 passes D, 5 buts, c'est pas mal. Inquiet. Ouais, bon, il est inquiet. Bon, ce serait bien qu'il arrête d'être inquiet et qu'il prenne confiance en lui. Donc, voilà les gars, on va vite fait voir le classement des buteurs également. Et le classement des passeurs. Donc, Ben Arfa, meilleur buteur avec 15 buts. Celui de Sio, wesh, n'importe quoi. 14 buts dressés. Germain, voilà, bon, il y a Berich qui est. On va dire que Berich est le troisième meilleur buteur. Il peut finir meilleur buteur, Berich. Hein. Tout comme Ninga. Qui finira meilleur buteur, on sait pas. Et Augustin, il est pas loin. 10 buts, on sait jamais hein, s'il enchaîne un triplé. Ça peut aller vite. Et après, intéressant, ok. Et les passeurs, on trouve Mané qui a 7 passes D. Par contre, Ressé, quelle saison? 11 passes D et 13 buts. Lourd. Et Berich, 5 passes D. Vraiment lourd aussi. Et Incibité, Ruffier, le premier avec 12 clean sheets. Et Elioun et Lafond, 4 clean sheets. Il augmente, il augmente. Plutôt pas mal, les gars. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. En ce moment, j'enchaîne plein de vidéos parce que j'ai une semaine de vacances. Moi, j'ai pas eu mes 2 semaines scolaires, malheureusement. Mais vu que je travaille. Mais là, j'ai une semaine, donc j'ai essayé d'en profiter là, de faire le plus de vidéos possible. Donc, il y aura aussi des vidéos sur GTA qui va venir. Alors peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, une vidéo GTA sera déjà venue, je sais pas. Mais bref, les gars, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao.